La plante, c'est un lien entre des matières organiques et minérales du sol, composées par les minéraux qui sont des minéraux qui peuvent avoir plusieurs origines, des minéraux volcaniques effusifs, la pouzzolane, les scories, ça peut être aussi du basalte, et puis des minéraux volcaniques qui pourraient être des minéraux volcaniques magmatiques, qui sont les roches métamorphiques, les granites, les gneiss, les schistes. Et puis il y a une deuxième famille de minéraux qui seront plutôt des minéraux sédimentaires. Donc on a les grès, qui sont des minéraux sédimentaires. Donc sédimentaires, c'est qu'ils se sont déposés souvent au fond des océans ou avec les rivières, et puis compressés avec du poids et qui se sont transformés en quelque part en roche. Donc bah, le grès, hein, c'est du sable compressé par exemple. Et puis on a toutes sortes de roches calcaires, de la plus tendre à la plus dense, de la craie au silex, qui sont des roches sédimentaires qui se sont formées au fond des océans. Ces roches-là, quand elles se retrouvent de plus en plus proches du sol, se retrouvent fragmentées en pierre, puis après refragmentées en gravier, et refragmentées encore en limon, et puis de nouveau encore découpées en petits morceaux en argile. Certains matériaux ne deviendront jamais de l'argile, mais ils n'ont pas la capacité à se fragmenter à ce point-là et à se comporter comme de l'argile. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ces pierres, sable, limon et argile, ce sont des granulométries de matériaux et pas des matériaux de manière intrinsèque, hein. Ce sont juste des granulométries de matériaux. Plus ces matériaux sont fins, plus ils vont être possiblement absorbés par les plantes et utilisés par les plantes pour leur nutrition minérale. Le sol, il est aussi constitué, et c'est ce dont on parlait, des matières organiques tombées sur le sol et décomposées par les micro-organismes, d'abord d'ailleurs toutes sortes de macro-organismes, éventuellement bah, des rongeurs, toutes sortes de larves, et puis après passent les vers de terre, les champignons, et puis après les bactéries. Tous ces micro-organismes-là décomposent la matière organique tombée sur le sol. Et la rencontre de ces matières organiques-là et du sol minéral crée ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, qui lui est véhiculé par l'eau. L'eau de pluie qui tombe sur le sol agit comme un espèce d'aimant. L'eau de pluie, elle est nettoyée de ses éléments par l'évapotranspiration ou l'évaporation. Elle est presque pure. Et donc, quand elle arrive sur le sol, elle se comporte comme un aimant. Elle va se charger de tout ce qu'elle rencontre. Cette eau chargée-là, on va l'appeler sève brute finalement. Elle va se comporter comme une sève brute quand elle est absorbée par les micro-organismes du sol et les racines de l'arbre. Dans les racines, elle va se comporter comme une sève dite brute, de l'eau et des sels minéraux et des acides humiques qui vont monter dans la plante par le bois, par l'intérieur de la plante, arriver jusqu'au niveau du feuillage par un phénomène de succion qu'est l'évapotranspiration. Et puis, ces minéraux-là vont rester dans la feuille malgré l'évapotranspiration, c'est-à-dire que l'eau va s'évaporer, les minéraux vont rester dans la feuille et la feuille va se retrouver à fabriquer, grâce à un phénomène qui s'appelle la photosynthèse, de la sève élaborée. Elle va utiliser le CO2 de l'air, donc en s'évaporant, l'eau laisse place à rentrer à du CO2, donc elle va utiliser le CO2 de l'air. Elle va utiliser également les photons du soleil, donc c'est une usine à récupérer l'énergie lumineuse, donc les photons du soleil, le CO2 de l'air, les minéraux dans la feuille, elle a tout ce qu'il lui faut pour fabriquer des substances nutritives pour la plante. Et donc ces substances nutritives-là, ça va être une sève dite élaborée. Cette sève élaborée, c'est une sève qui est plus visqueuse, qui est extrêmement sucrée et qui va être nutritive pour toutes les parties en croissance de la plante. Quand je dis toutes les parties en croissance, on pourrait caractériser deux types de croissance. On a la croissance primaire, donc les méristèmes primaires, qui est la croissance en longueur, hein, donc c'est les bourgeons du bout à chaque fois. Chaque bourgeon, c'est un méristème primaire qui se développe en longueur. Et puis on a le méristème secondaire qui est la croissance en diamètre tous les ans. Et donc le méristème secondaire qui se caractérise par le cambium dans la partie sous écorce de la plante. Grossissement en épaisseur tous les ans. Cette sève élaborée va redescendre. Alors elle, ce qui fait circuler cette sève élaborée, c'est la consommation par justement les méristèmes. Plus le méristème va consommer, plus il va attirer à lui de la sève élaborée. D'accord? Donc jusque dans le sol, on va avoir une descente
en quelque part de cette sève élaborée, consommée par la fabrication de racines. Et également, ce que l'on a, on a ce que l'on appelle des exudats racinaires, c'est-à-dire que la racine va libérer dans le sol du sucre pour devenir appétante, en quelque part, pour les micro-organismes. C'est-à-dire que les micro-organismes symbiotiques, comme les mycorhizes, vont se fixer à la plante pour récupérer ce sucre-là. Et en échange, ils vont pomper de l'eau et des sels minéraux pour stimuler la plante à fabriquer encore davantage de sève. Donc il y a un lien direct au sol à cet endroit-là. Et donc plus votre plante est capable de fabriquer des sucres et de la sève élaborée, plus elle a une capacité à faire lien avec son environnement.